Les nouvelles humanistes engendrent la modernité. Alors forcément, on fantasme. Pour rentrer dans le sujet et y voir plus clair, je vais donc laisser la parole à une experte, la commissaire de l'expo en personne. Ici, on est au musée des Beaux-Arts de Tours et cette exposition, ça nous permet à nous de revenir sur une période importante de l'histoire de Tours et de sa région, donc les 15e et 16e siècles. On a des femmes célèbres de l'époque qui sont passées effectivement à Tours, comme la Reine de Bretagne par exemple, ou comme Jeanne d'Arc, qui sont évoquées dans l'exposition. Mais nous, on a choisi de prendre un spectre aussi beaucoup plus large pour parler des femmes dans l'ensemble de la société. Oh, that is really... I was born 90.